cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. Attendez, j'ai regardé combien il me reste de contrat. J'irai en avoir fait 206. À vue de nez, ça fait longtemps que j'ai pas vérifié. 206 à peu près. Bah non, 206 c'est pas possible. 106, 133. Oh là là, on va jamais y arriver. On a quand même gagné 10 millions hein, les gars. Ce qui n'est pas négligeable, 10 millions. Bon alors c'est bon, j'ai été recrédité. Ah les gars, il y a une voiture, faut l'acheter avant le 22 parce que sinon elle disparaît. C'est la nouvelle Alpine là. Je vais être obligé de l'acheter du coup parce qu'elle est belle en plus. Hein. Ça m'en kikine un peu, j'avais pas prévu ça mais bon. Alors nous on sort dehors. Tu me diras, on peut pas sortir à l'intérieur. Voilà. Alors est-ce que ça y est toujours le truc? Ouais, la planque y est toujours. Oh, point bleu. Véhicule d'export les gars, alerte générale. Mais casse-toi le PNJ. Les gars, véhicule d'export, on va lui voler. Bouge pas, Tito, on bouge pas, j'arrive. Quoi? Il a quitté? Nice, 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 mon gars. Quoi? 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 What? Bon, bah, c'est plus un véhicule d'export, le PNJ. Mais j'ai pas compris. Le mec a quitté, il était dans la voiture, il s'est transformé en PNJ, s'est barré, quoi. Bon, bref, bref, passons. Ok, Dave, tu forces. Knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dave, le gros forceur. Bah, allez, on va aller à la planque. On va voir combien ça rapporte. Parce que j'ai même pas pu voir combien ça rapportait. Et je vais peut-être trouver un dealer. Hein. Et je crois que le dealer, ça te prend. Je suis pas sûr. Hein. Ça te prend dans tes ressources que t'as stockées dans la boîte de nuit. Mais c'est pas sûr, les gars. C'est à vérifier. Non, y'a pas de dealer là. Nouvelle animation, les gars. De Rockstar, ça, je l'avais jamais vu avant. Alors, faire très attention. On va sortir le pompe. Nettoyage complet, total. Le code, il est où le code? C'est un papier le code. Là il y a de la drogue. Le code il est où? Bah la planque elle est toute petite donc pour rater le code. La dernière fois il était là. Attends, j'ai peut-être raté un truc, peut-être il est là-haut. Bah non, la planque est ridiculement petite. Je trouve pas le code. T'es pas là, t'es pas là, t'es pas là. Mais les gars, je suis complètement miro quoi. Il y a pas le code là. Attendez, je vous fais un plan d'ensemble. Il est où le code? Il n'y a pas de code. Où est-ce qu'il peut être? Au plafond? Mais non. Oh, il y a des doliprane là, ma parole. Bon, les gars, je suis comme un gros teubé. Je suis comme un gros teubé. Il doit y avoir plusieurs positions pour les codes. Moi, j'ai peut-être eu le code le plus facile. La première fois, c'était là. Parce que là, là, frérot... Attends, on va faire dans l'ordre. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, là... Y'a rien, y'a rien. Là, y'a rien. Et y'a rien sur les murs. Là, y'a rien, y'a rien là. Y'a rien là, ok. Donc on passe à là. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Que dalle. Que dalle. Peut-être en dessous là, regardez, j'ai réussi à me glisser en dessous. Non, y'a rien. Bon les gars, bah on va abandonner cette planque. Hein. Décidément, les planques, c'est pas mon délire. Hein. Oh, c'est frustrant d'être devant un coffre avec de l'argent potentiel dedans et de pas pouvoir l'ouvrir. Bon les gars, bon bah... Hein. Voilà, voilà. Entrer dans la planque, il va pas m'enquiquiner. Hein. Ah mince, il y a quelqu'un qui a pris le colis de Gérald. Oh, ça fatigue. Non mais attendez. J'aime pas rester sur un échec, les gars. C'est pas possible. Je descends. Je vais devenir fou. Attends, c'est quoi frérot? On va sortir le minigun. On casse tout. Le code il doit être en god mode. Ah. Mais c'est pas... Oh mais il est là. 28-03-98. Ouais il était vachement... J'ai jaune sur jaune, tu le vois pas beaucoup. 23. Non, 28-03-98, let's go. 28-03-98, voilà. Vous voyez, les gars, faut persister. Je suis sûr que vous, dans la vidéo... Ouais, à un moment, les gars, je me suis mis comme ça. Je me suis dit, bah regardez, les gars, j'ai un grand angle sur la... Oh, on le voyait comme ça. Ah ouais, on le voit comme ça. Comment? Comme ça? Ouais, bon, bref.
Je vous ai dit, ouais les gars, regardez, j'ai un grand angle sur la pièce là, on voit tout, alors qu'il était juste là. Mort de rire. Quitter la zone. Organisation a détruit des marchandises. Ah, pour ravitailler un de mes lieux de production. Lequel? Olé, olé. Mais lequel lieu de production? Planque pillée, 3 000 $. Et j'ai ravitaillé quoi comme lieu de production? Je me charge de transférer ces matières premières jusqu'à ton lieu de production. Mais de quel lieu de production? Attendez, il y a le verre, il a pété une marchandise à quelqu'un. Je vais aller m'en occuper. Je pense que c'était une marchandise à Nazadré. Et je vais aller le voir. Je vais lui montrer si c'est drôle de péter le farm des gens. On va lui mettre le plus gros kick dans sa bouche. J'arrive, mon gars. Oh là, d'accord, je suis tombé sur... Ok, il va exploser ma moto. Ok les gars, je pensais pas qu'il serait si agressif que ça. Vas-y, reviens frérot. Il a mis des mines. Ok, c'est un gros cancer. On va le calmer tout de suite les gars. What the fuck, kids? Mais franchement, parle bien. Hein. Ah ouais, c'est un gros cancer lui. Il a écrit quoi? Oh, modeur. Je te mets une balle de sniper, tu dis modeur. Il a quitté. Oh, le fragile. Eh, hey, chef, you are big fragile, ma parole. Vas-y, rapporte-moi ma moto. Oh, il était facile à calmer, lui. Attendez, laissez-moi boire un petit peu d'eau, j'ai soif. Aglouglou, aglouglou. Voilà, c'est fait. Nice, mon RP, nice. Alors, est-ce que la planque de Gérald, elle a... Non, elle a pas été faite. Bon, on va aller dans le nord. Parce que, attendez, les gars, attendez. J'appelle Lester, déjà. La planque du jour, que je peux peut-être récupérer 45 000 si je prends la planque du jour qui... Imagine la planque, elle est pas loin là, l'épave. Et ouais, l'épave, elle est là, les frérots. Donc là, t'as 25 000 et là, t'as encore 20 000, ça fait 45 000. Et il y a quoi d'autre sur le chemin? Il y a rien d'autre. Après, les chronos et tout, c'est en bas. Hein. D'accord, j'analyse la situation. Celui-là, je crois qu'il est faisable en plus. Let's go, à l'aventure. Oh, dealer. Alerte. Alerte, j'ai vu. Dealer. Voilà. Ah, il est en dessous. Où es-tu, petit dealer? Ok, frérot, je suis vraiment pas très doué. Il est là. Non? En haut des marches? Ah ouais, bien vu de la part de Rockstar, bien vu. Yes. Cocaïne, cannabis, acide et meth. Ok, vendre le maximum. Boum, 50 000. Boum, 29 000. Boum, 22 000. Boum, 21 000. Plus de 100 000 $ hein, là-dedans. Hop là. J'ai de la chance de trouver le dealer à chaque fois. C'est trop bien ces nouveaux events là. Je pense que c'est des bonnes idées qu'il faudra garder pour GTA 6. Hein. Ça change parce que sinon en mode libre les gars, quand t'as pas trop d'events et tout, qu'est-ce qui te reste à faire quand t'es solo comme moi? Gérer tes business à la salle d'arcade, ok. Mais sinon c'est aller chercher des bagnoles à la chaîne quoi. C'est relou, c'est bien de varier un peu. Hein. Ouais. Allez, on s'en branche, on accélère, on met le clignot. Ah, oh, on s'insère comme ça ici. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Il n'y a pas de voie d'insertion, c'est direct, t'es sur la bonne voie. La bâtie mériterait d'être un poil plus puissante, je trouve. Peut-être un poil plus cher, mais un poil plus puissante. Ah ouais, tu la mets à 50 000 et tu l'upgrades un peu là. Tu me diras, je suis pas en roue arrière, faut être en roue arrière pour optimiser. Oh, point bleu. Oh, ça va être un véhicule... Ah non, ça va être un... Ok, un véhicule d'export, ok. Bon, on fera ça sur le retour. Putain, finesse, c'est vachement bien. Maintenant, on peut faire des sous en mode libre sans nos business, quoi. Ah, quoique... Ouais, véhicule d'export, c'est le business un peu. Mais on peut faire des sous en mode libre avec des trucs aléatoires, ça, c'est frais. Alors, le colis, qui est très bien caché, mais maintenant, on le sait qu'il y a un signal sonore. Alors, elle est où, la zone? Ok, on est dans la zone. Alors là, on n'entend rien. Il faut chercher le signal sonore. Ça peut être là, non? Ça m'étonnerait que ce soit dans cette partie-là. Ah, il est là. C'est ça, hein. Ah, t'as la manette qui vibre aussi. Hop là. Oh, 27 000 munitions en cas. Oh, ça, c'est frais, ça. Ça doit pas toujours être la même somme que tu gagnes. Maintenant, on va aller chercher la fameuse cache. Enfin, c'est pas la cache, c'est l'épave. Olé, olé. Appel de phare. Ça va pas, toi? Je rigole, c'est moi qui m'insérais. Bon, on s'en fout, attention. Oh, la tarte de sa vie qui vient de prendre. J'adore distribuer des baffes à moto. Très très peu de gens dans l'online savent faire ça. C'est quoi, je crois même que je me suis jamais pris un coup à moto. La plupart des joueurs, ils ignorent comment faire ça. Tu maintiens une croix et t'appuies sur L1 pour côté gauche et R1 pour côté droit. Et franchement, c'est trop stylé quoi. Alors, vont grand nos oreilles. Eh ben c'est là, impeccable. Hop là, 20 000. Maintenant, direction les gars. C'est une épopée cet épisode, ma parole. Le véhicule exotique pour 20 000 de plus. Je suis recherché par la police juste parce que j'ai mis un coup de latte quoi. Ah, j'ai re les flics, d'accord.
Nice. Et j'ai le bug du son de la bâtie. Oh non. Oh. On se fait attaquer. Ok. C'était Jaspos. Jaspos 2000 qui m'a fait ça, les gars. Quand je l'ai kick, ça s'est arrêté. Voilà, on n'est plus que deux dans la session. J'ai dû kick des gens pour rien. Rip. Espèce de bougre d'âne. Bon, après, moi, je fais le véhicule d'export. Oh la mort. Oh la mort. Oh non, mon véhicule à la fourrière. Bah, il m'a vraiment gâché mon gameplay, le modeur. Bon, bah, tu sais quoi, je me casse. Je m'en fous. Je vais au casino. LR. Oh, un concert. Dans la pluie, avec les cheveux secs. Il y a un hélicoptère. Avec de la lumière qui montre le chemin. Je suis dangereux. Avec la puissance de cette balade. D'accord, ok. Ok. Let's go to casino. On va pas tourner la roulette aujourd'hui, j'ai pas envie. On va juste tourner la roue et rajouter 50 000 en jetons. Let's go. On va gagner deux fois la voiture, non. Oh si, deux fois la voiture, bah dis donc. 20 000 RP. Niveau 407 les potes. Ça rigole plus. Bientôt niveau 500. Enfin, bientôt non, façon de parler. Bonus visiteur, acquérir des jetons. Voilà, 50 000. Et on se casse de là. On appelle la petite secrétaire. Mais les gars, je comprends pas. Il y a un véhicule. Tout à l'heure, j'ai appelé mon mécano. Il m'a dit qu'il manquait un véhicule là. Je croyais que mon garage était full là, ici. C'est bizarre. Hein. Je vais regarder la mutuelle si j'en ai pas un de cassé. Ah non, il y a rien. Non, il y a rien. Étrange. Putain, je vais passer là vite fait. On met les sous en banque. Oh, ma parole, ça me démange, les gars. Oh, mon passé de troller qui revient en pleine face. Comment je peux le troller pour changer, pas juste le tuer. Oh, je suis un fifou. On va se mettre invisible, les gars. Invisibilité radar. Et on va se mettre là, dans le coin, là. Allez, il va sortir. On va patienter calmement. Attends, ou sinon, je vais essayer de fermer la boutique discretos. Je tire une balle. Attends. Il le verra pas. Il est dans le menu. Je fais ça. Ça. Voilà, la boutique est fermée. Je me mets là, il va être obligé de sortir. Vas-y frérot. Ah, ça marche pas, le mec il est en train de faire son shopping de ouf. Je suis plus invisible. Ah bah je l'ai mal fait. Mais la porte. Mais la porte. Mais ça marche pas les gars, ils ont patché ou quoi? Ils ont patché Rockstar, j'y crois pas. Ils ont patch. Mais je suis en train de me battre. Mais regarde la porte. Oh, il a rappelé sa moto. Oh, le bougre d'âne. Tu vas prendre cher. Patate. Tiens, boost. Tiens. Welcome. Alors, on fait du shopping. Hein. Oh. Il va sortir. Il est vénère. Patate dans ta poing. Vas-y, mon gars. Vas-y, sors. Olé. Oh, ce que j'ai pris. Ah, il a bien fait de rappeler sa moto. Moi aussi, je rappelle la mienne. Bon, c'est bon, c'était juste un petit troll. On va passer à autre chose. Elle est belle, la Banshee, comme ça. Bon, les gars, ça me dit pas. Moi, j'en étais où dans mon délire, là? Oh non, il y a le chrono à faire. J'ai la flemme, les gars. Les chronos, parfois, c'est... Oh, j'ai pas envie de farmer, là. J'ai envie de m'acheter une autre bâtie, en fait. Si j'écoute mon cœur, je devrais m'acheter une bâtie. Une nouvelle bâtie. J'ai envie de custom une nouvelle bâtie. Vas-y, je vais passer à l'atelier de motard, on va voir ça. C'est qui lui? Jurine LSD. Ah, il a trouvé le dealer. Oh non, je suis une chèvre. Oh, je suis une chèvre. Les gars, ils veulent dealer. Vas-y, je le troll. C'est que reserve, les gars, on claque l'orga fantôme. En cas. Regarde, il va venir. Il vient pas? Ah, il se barre. Wesh, vas-y, ramène la drague là. Bon bah nul alors. Je le laisse faire son tuning. Ouais, elle a vu que je m'étais mis orga fantôme. Oh, ça va se terminer avec une petite bombe collante. Et un GG. Regarde la map. Bon allez, c'est bon, j'arrête de troll les gars, Là, je suis cancer là. Oh non, il s'est mis en club de motard. Il va appeler la MK2. Il appelle ta MK2 que je rigole. Regardez les gars, est-ce qu'on a un problème? Vas-y, prends ta MK2. What? Je viens de me faire dépouiller. Il est où? Les gars, il revient se venger. Ah non, il a pris une moto normale. Bon les gars, on va regarder ce qu'il y a en vitrine là-bas.